à la porte. J'espère qu'il va mourir. Il doit mourir. Oh mince, c'est quelle bêtise. Comme ça même. Tu blagues avec moi? Désolé. As-tu vu ce que tu as causé? Désolé ma princesse. Allez, va ramasser mon truc, espèce d'imbécile. Es-tu stupide? Sais-tu combien de temps j'ai fait pour que tu viennes ouvrir le portail? Je suis désolé, je dormais. Je n'ai pas pu dormir la nuit parce que j'ai dû veiller à cause des bandits qui font rage. Tu es vraiment fou. Es-tu payé pour dormir ou pour ton poste? Désolé. Mais moi, mon bracelet sans pour autant toucher à ma peau. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas! Espèce de fou! Vas-y, ouvre le portail! Regardez-moi ce bon à rien. Il me fait attendre pour venir ouvrir le portail. Espèce d'imbécile que tu es. Oh, que ce soit la dernière fois que je t'avertis. Oh, ouvre. Stupide portier. Je m'en prendrai à toi la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je suis traité n'importe comment. Quoi? Le jour où ça va... Et qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas, en train de parler seul comme un pauvre fou? Je veux fermer le portail. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu es venu dans ces palais. Reste là. Tu peux entrer, espèce de fou. Ah. 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 Es-tu fou? As-tu la folie? Veux-tu que je te tue? Qu'est-ce que tu me veux? Mais ma princesse, je ne faisais que vous éviter, je ne savais même pas par où vous veniez. Alors tu dois être fou! Idiot! Ma princesse, est-ce à cause de votre habillement que vous êtes permise de me gifler? Tu continues à me parler? Tu dois être fou, malade, oui. Ma princesse, j'ai actuellement besoin de vous parler. Oh mon Dieu, c'est quelle insulte! Écoute-moi bien. Ton genre, tu n'as pas l'opportunité de parler à une princesse comme moi. Et prochainement, si tu oses refaire ces bêtises, je te tuerai. Idiot, dégage sur mon chemin!
sale espèce. Imagine, tu es chanceux que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ma princesse, vous savez que vous êtes la fille aînée et vous ne devez pas leur permettre de vous dire ce que vous devez faire. Oh, Chigo, tu dois déjà me connaître. Hein? Je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau, non. Ce qui est sûr, je suis la future reine de ce royaume et mes paroles vont demeurer. Hein? Mais vous devez vous rassurer de tout ce que vous faites. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Toujours faire des bonnes choses. Parce que si vous ne faites pas de bonnes choses, alors Etudi va venir. Et s'il vient, l'espoir va s'envoler. Je sais. Et vous savez bien que votre futur mari est prince d'un autre royaume. Vous devez alors très bien prendre soin de lui. Je connais à propos. Mon père me dit toujours que chaque reine doit être forte. C'est ce que je cherche à devenir, une reine forte. Je suis impatiente d'attendre ces jours, je serai votre meilleure coiffeuse. Je sais, t'inquiète. T'inquiète, les jours passent très vite, je te jure. Des folles! Les idiotes! Des servantes sales! Comment est-ce que vous n'avez pas fait la lessive? Désolée, ma princesse, vous m'avez dit de finir de repasser d'abord avant de faire la lessive. C'est vrai? Tu as aussi le courage de parler. N'êtes-vous pas supposé de faire votre travail sans qu'on vous le demande? Vous êtes des idiotes paresseuses. Désolée, ma princesse. Restez couchée, tu vous as demandé de vous lever. Restez couchée, les imbéciles. Pardon. Vous me verrez aujourd'hui. La prochaine fois que je vous demanderai de faire pour moi un travail, vous allez le faire rapidement, les imbéciles. Vous allez me sortir aujourd'hui. Restez des imbéciles, idiotes paresseuses que vous êtes. Les imbéciles. Vous allez sortir aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis pas votre ami. Restez là, ne bougez pas. Qu'est-ce que tu regardes là? Qu'est-ce que tu regardes? Ferme tes yeux. Arrête de regarder. Aujourd'hui, vous verrez. Imbécile, les idiots que vous êtes. C'est folle. Désolé. Attendez. Arrangez-vous. Vite, arrangez-vous. Et toi là, tu es de leur côté. Passe, attends là, couche-toi vite. Espèce d'imbécile, allez, tu pleures avec moi. Je te montrerai aussi que tu es capable. Imbécile que tu es. Allez ensemble. Attendez-vous. Allez, arrangez-vous vite, arrange-toi. Couchez-vous bien, je dis. Je ne regarde pas où. Vous allez sortir aujourd'hui. Dès que moi je me sors. Imbécile que vous êtes. Des sorcières. Toi aussi. Idiot. Vous êtes tous des idiots. Vous voyez ce que vous avez causé, non? On m'a même frappé. Mon frère, est-ce que ça va? Va là-bas. Nawao, Ifan, tu sais, j'ai constaté une chose, que tous les enfants premiers-nés de la famille ont toujours une façon terrible de vivre. Agroug, cette fille n'a pas de manière. Elle peut te rendre malade en un seul jour. Ekema, je vais faire la toilette. Donne-moi de l'eau. Ekema, ceci. Ekema, cela. Ah ah, cette fille. Son attitude, je me suis toujours demandé. Cette fille, peut-être qu'elle prend du chanvre. Je suis sûre. Parfait. Ne penses-tu pas?
Pas vrai. Tu vois, le problème n'est pas cette fille, mais plutôt la manière dont elle a été élevée. Mmh. Ouais, je pense que le père en est la cause. Ok. Ouais. Je pense que la façon dont on l'a élevée est le problème. Il n'y a aucun cas posé sur la table de son père. Et il ne dirait, laissez-le comme ça, laissez-la tranquille. C'est ma fille. Tu as compris, ses parents la dorlotent trop. Mmh, c'est ça même, tu as raison. Je comprends. En tout cas, j'ai pitié de l'homme qui épousera cette fille. Cette fille est si grossière. Cette fille est si insolente. Elle est tellement saucée. Elle est saucée. Je ne parle pas de celle utilisée dans la cuisine. C'est pas ce qu'il veut dire. Je parle d'insolence. Saucée. Elle est trop épicée. C'est ça ce que tu veux dire. Tu as été à l'école avant d'être employée? Oui. J'ai fait la première et la quatrième. En tout cas, va m'apporter ma nourriture. J'en ai fini avec toi. Tu peux t'en aller. C'est l'être un peu pissé, non. Moi, j'ai des bonnes manières. Ma mère a eu le temps de m'éduquer jusqu'à ma postérité. Si tu m'épouses, tu vas jouir de la vie. Ton lit sera bien garni de chair. Tu vas à droite, je suis là. Tu vas à gauche, tu me trouves. Je suis full option. Vas-y, vas-y, j'en ai fini avec toi. Aïe, vas-y. Pousse-moi encore. Hé, méfie-toi. Aïe. Regarde-les, sexy chocolat. Le tonnerre te foudroie là-bas. Ne me défie pas. Hé, regarde comment tu marches. Mon mannequin. Tu me consoles de ces grosseurs. Aïe, aïe. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Oh. T'as une mannequin. Bien musclée. Tu as de vrais matos. Original. T'inquiète, je suis là pour toi. On va le finir ensemble. On va se consommer. Meso. Je voulais te partager une chose. Je n'aime pas la façon dont tu parles aux gens. Ça commence à nous rendre nerveux. Ça vous énerve? C'est comme ça que tu interromps mon après-midi? Écoute, je sais que je ne saurais pas t'arrêter. Avoir la chance d'être la future reine du prince du royaume des Lebo ne te donne pas le droit d'être rude envers tout le monde. Ce n'est pas ça. Écoute, c'est toi l'aîné de la famille. Tu es censé être un exemplaire. Tu salis le nom de notre famille. Oh, peux-tu la fermer? Ma jeune sœur est en train de me conseiller. Prochainement, si tu oses interrompre mon après-midi, tu me verras très bien. Occupe-toi de tes affaires et pas le mien. Oh. As-tu pu joindre tes frères? Oui, votre majesté. Ils étaient vraiment très contents du cadeau. Ils m'ont demandé de vous dire merci. Ça c'est rien. C'est rien. S'il te plaît, assure-toi que la cuisinière a fait exactement ce que je lui ai demandé. Je dois sortir. Oui, quand je partais chez lui, j'étais passée devant la cuisine. Elle a déjà fini. Bientôt le repas sera servi. Très bien alors. Ifani, où est parti ce stupide portier? Il est subitement devenu sourd. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Chinaza? Pourquoi tu l'appelles de cette manière? Oh Seigneur, c'est pas vrai. Il répondrait à ton appel s'il était tout près ici. Ifani! Je vais virer ce garçon. Ifani! Tu feras quoi? Ifi! Ifi! Oh, ma princesse! Oh! S'il te plaît, ouvre le portail pour nous. Oh, mes princesses! Quand je t'appelais, tu n'entendais pas. Mais quand Kiru t'a appelé, subitement, j'ai entendu. Très désolé, je viens juste de l'entendre.
Je suis désolé. Idiot! Ouvre le portail! Chinaza, pour l'amour du ciel, ce n'est pas comme ça que tu dois t'adresser aux gens. C'est quoi cette façon d'être? Reste là en train de m'apprendre les bonnes manières et cela devant le portier. Viens ouvrir le portier. Kirou. Parfait. C'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi cette fille me déteste comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Hein? Pourquoi? Pourquoi la haine? Un beau jour, je vais la confronter. Un beau jour, je vais la confronter et rien ne va se passer. Au pire des cas, ils me renverront. Servante, rassure-toi de bien le faire. Ok. Est-ce que tu avais appelé le roi? Oui, ma reine. Allez, finis vite ce que tu fais. Ma reine. Votre boisson. Ouvre la bouteille. Quoi? Ekema, tu es une servante royale. Je veux dire, tu dois avoir des manières. Ok, c'est bien. Laisse-moi suivre les instructions dans ces cas. Certainement, on a montré comment ouvrir la bouteille. Laisse-moi voir. Ekema, je n'ai pas le temps pour des absurdités. Ouvre cette bouteille en tournant le bouchon. Ah, ok. Je voulais discuter un peu avec toi. Ok. Je pense que c'est pas une bonne idée que les parents envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Parce qu'ils ne seront pas à mesure de connaître leur vrai caractère une fois qu'ils vont grandir. Ai-je raison? Vous pouvez avoir raison. Je ne suis pas allée à l'école. Vous parlez de l'école traditionnelle. Qui se fait à la maison? Ok. Oui. Non. Aller à l'école, c'est bien, mais moi, je préfère ce que les parents utilisent avec leurs mains pour apprendre à leurs enfants. Puisque nos écoles d'aujourd'hui rendent les enfants fous, alors ils doivent profiter de l'éducation de vos mains. Tu as raison. Parce que quand ils partent à l'école à l'étranger,
Les parents ne seront pas en mesure de connaître leur caractère et savoir comment ils se comportent. Je prends comme exemple ma fille, Messoma. Pitié pour vous. Honnêtement, son caractère est hors de contrôle. Si seulement je pouvais être en mesure de remonter les temps. Ma reine, elle n'est pas seulement devenue incontrôlable, ingérable, inconduisable, insupportable. Il faut arrêter, non? Ce sont les conséquences. Elle a tellement été gâtée. Espérons que ça ira. Fais vite, va préparer la nourriture pour mon mari. Ok. Il doit sûrement avoir faim. Ma reine, soyez pas vexée. Je me dis, peut-être quand vous avez changé de bébé à l'hôpital où vous avez accouché. Tu la fermes! Comment oses-tu dire de telles choses? Allez, dégage! Va faire à manger pour mon mari. Désolée. C'est quoi cette insulte? J'ai fini, ma reine. Passe de l'autre côté. Grande sœur, s'il te plaît, change ta manière de parler aux gens. Tu t'es alignée toi aussi sur le même pas que la grande sœur. La manière dont tu avais parlé à Ifeine, ce n'est pas bien. C'est le travail des portiers de veiller sur le portail et pas d'aller se déambuler partout dans le palais. Oui, je sais. Cherche quand même une bonne manière comment lui adresser la parole en tant que portier. Ça me fait de la peine. Il n'y a pas de bonne manière. Oui, c'est juste un portier. Oh, bienvenue, mes princesses. J'espère qu'on prend très bien soin de vous ici. Oui. Il se débrouille pas mal. C'est juste que les outils sont sales. S'il vous plaît, ma princesse, il n'y a pas de problème. Et pourquoi tu utilises tes trucs, non? Oh, cherche un autre. C'est quoi ça? Chai! J'arrête pas d'essayer de lui dire. Mais elle se montre tellement têtue et très arrogante. Hein? Est-ce comme ça qu'elle vivra avec un homme? Que Dieu me parle. Pardon. Dieu seul connaît le futur. Le pire de tout ça, c'est que tout ça me dérange vraiment. Seul Dieu sait ce qui va se passer. Je ne ferai plus rien. J'ai fait de mon mieux. Mon frère, vraiment, ça me surprend. Hein? Pourquoi les gens sous-estiment toujours les autres? Les traitant comme ils sont rien. Pourquoi? Hein? Cette vie n'est pas équilibrée. Ou? Très compliqué, mon frère. Doivent-elles traiter les gens n'importe comment ou bien nous prennent-elles pour des êtres inférieurs ou quoi? Écoute, depuis que je suis dans cette parcelle, tu vois cette princesse? Elle ne fait que nous insulter. Elle nous insulte. Vraiment, je te conseille, mon frère. Évite-la. Moi, je ne peux pas continuer à tolérer ça. Donc, je te demanderai d'aller lui parler. Va lui parler. Écoute, je n'ai pas ce temps-là. Mets juste en pratique mon conseil. Évite-la. Hein? Ils ne pourront que me renvoyer. Au pire des cas. Ok, je rentre un peu à mon poste. Ça va. Ah, insultant les gens n'importe comment. Hein? Doit-il être comme ça? Aïe, vraiment. Mon Dieu. Bien. Hey. Lève-toi. Je viens de chercher mes sœurs. Où sont-elles parties? Ok, elles sont sorties. Elles sont sorties? Où sont-elles parties? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ouais. Ok, sont-elles sorties avec des servantes, les gardes? Elles sont sorties toutes seules. Quoi? Oh! Comment
Oses-tu laisser mes sœurs sortir toutes seules? Écoute-moi très bien. Si quelque chose leur arrive, tu ne vas pas me contenir. C'est quoi ton travail ici? Sale chose. Oh! Imagine un peu toi. Oh mon Dieu! Pourquoi ça t'a pris du temps pour ouvrir ces portails? Qu'est-ce qu'il y a avec ta joue? Votre sœur m'a giflé. Parce que je vous ai laissé sortir sans sécurité. Ma sœur t'a giflé. À cause de nous. Étais-tu censé de nous laisser partir sans le garde et le servante? Tu ne connais donc plus ton travail? Peu importe. Je vais entrer à la maison. Et demander à ma sœur la raison pour laquelle elle t'a giflé. Meso! Meso! Ifani, je suis désolée, hein? Ok. Désolée, je verrai comment parler avec elle, d'accord? Mon Dieu, mes sœurs sont étranges. Meso! Meso! Tu dois apprendre à te calmer. Tu n'aurais pas dû gifler Fanny à cause de nous. Je ne te comprends pas. Sommes-nous des enfants? Ne sommes-nous pas libres d'aller où nous voulons? Pourquoi tu as giflé le portier à cause de nous? Pourquoi? Tu devais nous attendre et nous confronter. Exact. Et qui êtes-vous pour me questionner de cette façon? Ifoma, laisse-moi te rappeler que je suis la princesse Sinkiru. Bravo! Et laissez-moi vous rappeler, je suis Mesoma, votre sœur aînée. Écoutez, j'ai été choisie comme la future reine de ce royaume par mon père. Vous n'avez qu'à le mettre dans vos petites têtes. Et si je peux demander, pourquoi prenez-vous part de ce bon à rien? Peu importe. Cela ne te donne pas le droit de traiter les gens n'importe comment. Tu le dois du respect. Ce n'est pas parce qu'il est un portier que tu dois commencer à l'humilier à tout moment. Meso, c'est vrai. Je sais bien que je ne suis pas l'aîné. Mais tu ne pouvais pas gifler Fanny parce que j'ai... Ou soit nous étions sortis. Tu dois apprendre à bien traiter les gens. Tu sais que tu fais pire que moi, n'est-ce pas? Tu mords les gens sans raison. Et c'est pas bien. As-tu fini de balbutier? Tu n'as rien dit. Et si tu as fini, je te dirai d'arrêter de raconter des bêtises. Maintenant, vous deux, dégagez de ma vue, parce que vous me nervez. Nous ne sommes pas chez autrui, nous sommes chez nous. C'est la maison de nos parents. Alors si tu ne veux pas rester avec nous ici au salon, c'est toi qui dois sortir et aller dehors. C'est à toi de faire le choix. Soit tu restes ici avec nous, soit tu vas dehors. Le chemin est libre. Qu'est-ce que tu racontes, ma petite sœur? En effet, je suis la prochaine future reine. Alors, la prochaine reine, mon œil. Entre vous et moi, qui doit sortir? Tu ne te respectes pas. Tu n'as pas de manière. Tu ne te comportes pas comme une grande sœur. Waouh. Elle a totalement raison. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis venue par erreur. C'est pas juste ce que tu fais. C'est vrai? Par erreur. Oui. C'est vrai?
Ces deux actrices me parlent? Maintenant, voyons qui va sortir de ces lieux. Attendez de les voir. Réfléchissez et parlez. Réfléchissez et parlez. J'attends. Regarde comment on s'en va. C'était sûr. Elles m'ont traité de la sorte. Bien. Je t'entends parler. C'est quoi le problème? Papa, je n'ai pas aimé la façon dont Chinaza et Nkero viennent de me parler. Je n'ai pas aimé. Ma fille, apprendre à un enfant à compter, c'est bien. Mais apprendre à un enfant ce qui compte, c'est le mieux. La meilleure façon de gouverner un peuple est de gouverner avec lui et non de gouverner sur lui. Tu sais, un jour, tu deviendras une reine. Et ce qui compte, c'est la façon dont tu te comportes avec tes sujets. Et je veux que tu apprennes à mieux se comporter avec tes sujets. J'espère que c'est clair. Ok papa, je t'ai écouté. Mais tu dois leur parler s'il te plaît. Que je suis leur aînée. La princesse aînée. Ou la future reine. Puis-je entrer papa? Bien sûr. Merci. Les dieux de mes ancêtres. Maman, je ne la comprends pas. Comment elle peut se permettre à gifler un portier? La manière dont elle se comporte dans ce palais n'est pas du tout normale. Maman, ce qu'elle fait devient de trop. C'est tous les servants qui tremblent quand elle entre dans le palais. Ce n'est pas normal. Elle est très têtue, impolie et arrogante. Tout le monde dans cette maison sait que ses agissements dépassent les bornes. Ah, je suis vraiment fatiguée. Je souhaite que son mari vienne l'épouser, qu'il verse sa dot et qu'elle s'en aille d'ici. Je suis fatiguée de toutes ces plaintes. Hein? Maman, pourquoi tu dis ainsi? Mais Soma. Maman, es-tu sûre que si elle s'est mariée aujourd'hui avec ce mauvais caractère qu'elle a, elle ne sera pas renvoyée dans ses palais? Elle sera renvoyée du mariage, ça c'est certain. Maman, tu dois trouver une solution à propos. Fine, comment tu vas? Ma princesse, j'essaie d'aller mieux. Tu essaies d'être bien? Je te comprends. Écoute, Ifaïn, fais un effort d'oublier ce qui s'est passé la fois dernière. Ok? J'avais parlé avec mes sœurs à propos. S'il te plaît, tu ne dois pas t'engager dans une dispute avec tes sœurs à cause de moi. Je sais. Bien, je suis venue savoir si tu as déjà pris ton dîner. Je vais bien, mais je n'ai encore rien pris. C'est vrai? Ok, certainement la cuisinière n'a pas encore fini avec sa nourriture. Dès qu'elle finit, tu auras ta nourriture servie. Et si j'amenais ma chaise à côté de toi pour que nous puissions en jouer un peu? Oh non, ma princesse, tu sais que c'est pas bon qu'on te voit ici avec moi.
Si on te voit ici chez moi, ça me sera un problème. Rassure-toi que cette lettre parvienne aux mains du roi, s'il te plaît. Mon roi, il y a quelqu'un du royaume d'Ilebo qui a amené cette lettre. Et il a dit que c'est pour le roi Uchemba. D'accord. Oh. Donne-moi ça. Retourne à ton poste de travail. Merci, mon roi. Mon roi, tu es là? Mais ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon cher ami, le roi Uchemba, il dit qu'il nous rendra visite lors du prochain jour du marché d'info. Oh, c'est vraiment une bonne nouvelle. Certainement. Oh, il commence déjà à créer une bonne relation d'amitié avec nous. Tu as bien tout compris. Et je sais que c'est vraiment bon signe. Bien sûr, c'est ce que nous souhaitons tous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, tu sais que c'est de ton devoir de rendre cette visite mémorable. Hein? Ah, fais-moi confiance, mon roi. Tu sais très bien que je sais organiser des réceptions. Bien sûr. Cette fois-ci, ce sera très différente. Je dois choquer nos invités. Ça, je te fais confiance. Ouais. Une autre chose, c'est que tu dois t'assurer que nos filles se présentent de manière décente. Ça, c'est pas un problème. Intéressant. Je vais m'en occuper. Relax. Oh, il est déjà ici. Igwe, je suis venu te demander de mettre en garde ta fille. Igwe, ta fille ordonner ces gardes, ces garçons ici, celui-ci, précisément, on est des Kanao. Elle lui a ordonné et il a voulu me battre. Si ce n'est pas grâce à l'intervention de Obina, ah, je serais déjà un homme mort. Imaginez-moi, Haïti a Madi de tout un peuple. Parce qu'elle est princesse. Par conséquent, nous devrions fuir cette ville, ce royaume. Ouais. Ma fille a demandé aux gardes de te frapper. Le voilà, demande-le. C'est dans le compte d'un mort qu'on peut mentir. Il a voulu me tordre. Le voilà. Hey! Amadi, s'il te plaît, j'aurais aimé que tu te calmes. Rentre chez toi et voir comment tu peux te soigner. Je t'enverrai quelqu'un. Quoique tu as dépensé pour ta santé, je vais payer ça. Et puis, je vais régler ça. Crois-moi. Igwe, s'il te plaît, rentre chez toi. Igwe. Ma princesse. Papa. Je n'ai pas aimé la plainte que j'ai reçue aujourd'hui de l'aîné Amadi à ton sujet. Papa, tu dois arrêter de dire cela, papa. Ils ne sont pas tes favoris. Hein? Mais papa, moi, je le suis. Je suis ton Ada. S'il te plaît, tu dois me traiter comme un œuf. Je sais. Mais pas jusqu'au point où tu vas manquer de respect aux aînés de ce royaume. S'il te plaît, assure-toi que ce genre de plaintes ne me parviennent plus. Ok, papa, je le ferai. Es-tu content? Ouais, je suis heureux. Je vais voir ton sourire, papa. C'est ce que tu veux, non? Ok. S'il te plaît, fais signe au département familial pour la réunion. Merci. Papa, moi, je vais me déplacer un peu. Oh. D'accord, je vais bientôt revenir. Déjà cette tablette pour deux.
Je t'aime. Je t'aime aussi. Et surtout, n'oublie pas ce dont je t'ai parlé maintenant. D'accord? Papa, s'il te plaît, arrête de les écouter, je t'en prie. Quoi? Pouvez-vous revenir ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous malade, hein? Êtes-vous des malades? Dites-moi! Oh, désolée, vous imbécile que vous êtes. Écoutez maintenant. Sautez comme des crapauds, maintenant. Comme des crapauds. Première position. Allez, vite! Dépêchez-vous, vite! Allez, comme des crapauds. Allez, une, deux. Hé, toi, arrange... Hé, imbécile. Allez, vite! Vite! Faites-le très bien. Princesse. Encore très bien. Princesse. Continuez. Continuez. S'il te plaît. Papa. Vous êtes des chanceux aujourd'hui. Vous auriez contenu si mon père ne m'avait pas appelé. Ils aiment hey. Facile. Ça va. Arrêtez. Retournez à vos postes. Merci, mon roi. Merci, mon Merci. Roi. Merci. Ma reine, je sais que je t'ai manqué. Ce n'est pas pour rien que je n'ai pas pu assumer mon devoir ces derniers jours, tu sais. Tu peux sourire un peu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont tu es en train de gâter Miss Soma. Tu dois la réprocher quand elle fait quelque chose de mal et pas prendre sa défense. Tu es en train de l'attaquer. Excuse-moi, n'es-tu pas une femme? Bien sûr, tu as toute raison de lui parler quand elle est en erreur, en tant que sa mère. Vous, les femmes, vous avez une façon de vous comprendre. Je sais qu'à cause de l'amour que tu as pour elle, peu importe ce qu'elle fera, sera toujours bon pour toi. Mais tu dois causer avec elle. Excuse-moi, tu dois la conseiller. Écoute. C'est assez. Si tu ne veux pas que je passe une très bonne nuit ici, je peux aussi bien retourner dans ma propre chambre. D'ailleurs, si Miss Soma est gâtée, alors où étais-tu? Quand un enfant est bien, il ressemble à son père. Par contre, quand il est nul, têtu ou impoli, il ressemble à sa mère. C'est pas un problème. Pour l'instant, c'est moi qui est en train de déranger. Mais je sais que dans peu de temps, tu vas comprendre de quoi je parle. Pas de problème. Continue à la chouchouter. Viens ici. Ma princesse. Hey, ma princesse. Sais-tu pourquoi je t'ai giflé? Non, ma princesse. Tu ne connais pas ton travail, n'est-ce pas? Maintenant, ordonne à tout le monde de sortir de ces shops pour que je fasse mes achats. Oui, ma princesse. Salut, mesdames et messieurs. La reine de ce royaume est ici pour faire des achats. Alors, j'ordonne à tout le monde de sortir d'ici et laisser seulement les propriétaires. Merci tout le monde. Sont tous sortis? Oui, ma princesse. Qui est ici? Salut, ma princesse, c'est moi. Bonjour, ma princesse, que voulez-vous? Fais-moi visiter, je veux faire des achats. D'accord, suivez-moi alors, c'est bon. Rassure-toi que personne n'entre. Oui, ma princesse. Sinon, je m'en prendrai à toi. Oui, ma princesse. Apprends-toi. Oh, ne t'en fais pas, je vais passer par là, ne t'en fais pas. Je dois d'abord aller quelque part pour finir par... Hey! C'est quoi ça comme ça? Tu es malade? Hein? Hey! Hey! Il va me voir.
ouvre-moi la porte. Je suis Chibizo. Ah. Dégage-la, laisse-moi entrer. S'il vous plaît. Va là-bas. Igwe. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Igwe. Igwe, j'ai un très grand respect pour vous. Parce que vous êtes une très bonne personne. Mais Igwe, avec tout le respect que j'ai pour vous, Igwe. Mais regardez ce que votre fille vient de me faire. Elle m'a jeté de l'eau avec sa voiture. Mais... Igwe, est-ce qu'elle peut faire ça avec moi? Pas encore ça. Ah, pas encore ça. Je suis profondément désolé. Je vais m'occuper de ça. D'accord? Je suis désolé pour ça. Igwe, il faut vraiment lui parler, oh. Il faut vraiment lui parler, oh. Ou quoi? As-tu perdu la tête, Nzendo? Est-ce que tu as oublié que tu t'adresses au roi d'Amobia? Je suis désolé. Maintenant, rentre chez toi. Ok. Prochainement, fais gaffe. Mes hommes me tapent sur les nerfs. Tu dois lui parler dans une langue qu'elle comprendra avant qu'elle ne me laisse perdre la tête. Que veux-tu que je lui dise? Tu sais bien qu'elle ne va pas m'écouter. Un jour, je te montrerai de quoi je suis capable. Pourquoi tu prends toujours du temps pour m'ouvrir le portail? C'est quoi avec toi? Il m'a vraiment énervé. Il m'a énervé. Tu n'es qu'un stupide. Mais Soma, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? Pourquoi as-tu décidé de ramener la honte et la disgrâce dans cette famille? Arrête d'insulter les aînés. Arrête de te battre. Arrête de te montrer et de te faire humilier en public. Respecte-toi. C'est quoi ton problème? Ça suffit, maman. Ça suffit. Considère-moi tel que je suis. Et arrête de me parler avec ce langage. Je n'aime pas du tout. Je suis la princesse Mesoma. Je ne suis pas une personne ordinaire. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler comme ça? As-tu oublié que je suis ta mère? J'étais portée dans mon ventre pendant 9 mois. J'étais élevée. Et je suis la reine de ces royaumes. Veille sur ta façon de me parler. Maman ou reine ou peu importe si qu'on t'appelle. N'ose plus jamais lever ta sale main sur moi. Si tu le refais prochainement, tu vas le regretter. Franchement.
Tu es averti. Si tu es la reine, moi je suis la princesse Messoma, la future reine du royaume de Lebo. Tu es averti. C'est vrai ou soit je rêve. Quelque chose ne va pas quelque part. Mais Soma! Maman, je t'ai entendu crier. Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer que Mais Soma m'a insulté en public? Quoi? Et elle a essayé de briser ma main. Hein? Mais Soma! Garde! Oui, ma reine. Approche. Qu'est-ce que tu fais là? Es-tu stupide? Donc, après tout ce qui s'est passé, tu es toujours planté là? Pour trouver un sujet de commérage? Non, ma reine. Dégage d'ici tout de suite! Va-t'en! Pars! Je ne sais pas ce qui arrive à tout le monde. Hein? Tout le monde ne fait que s'y me conduire. Oh, mon Dieu! Mais Soma! Mais Soma! Maman! Ose me dire ce que tu dois faire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Soma, comment oses-tu insulter maman? Quoi? Tu m'as poussée! Es-tu folle? Et je le ferai encore et encore. Ok, tu l'as fait par surprise. Vas-y, fais-le encore. Ose encore, Chinaza. Ose! Mais pour qui tu te prends? Tu ne sais pas? Ok, laisse-moi te le rappeler. Mon nom est la princesse Mais Soma. La première fille du roi Ewefi. La future reine du royaume d'Ilebo. As-tu entendu? Hmm? Je suis également une princesse. Et je vais très bientôt me marier. À un bon à rien! Un ton non vide! Comment? Quoi? Vas-y, fais-le! Vas-y, ma chère! Je suis là, fais-le! Viens, fais-le! Qu'est-ce que cela signifie? Papa, demande à Messo. Mais demandez quoi? Mais demandez quoi, Chinaza? Es-tu malade? Es-tu stupide? Comment tu veux m'insulter dans ma chambre? Hein? Papa, Messo m'a insulté, maman. Excuse-moi. Nie-le. Papa, ce n'est pas ce qui s'est passé. Cela n'était pas la question. Est-ce que tu as fait ça? Essaye de le nier. Maintenant, écoute-moi. Si j'entends encore un jour que tu insultes ma femme ou quiconque dans ce palais, je t'écorcherai vive. Es-tu une malade mentale? Je ne veux plus entendre aucun bruit dans ce palais sacré d'Amobia. Fais-le. Tu es chanceuse pour la présence de papa ici. Tu n'as jamais te montrer de quoi je suis capable. Et tu verras ce que je te ferai. N'entre plus jamais dans ma chambre. Allez, fais-moi cette porte, idiote. Oh mon Dieu, quelle bêtise. Ah! Maman. Ça va aller. Tu dois juste essayer de te calmer. Je sais qu'elle a vraiment mal fait. Elle énerve presque tout le monde dans ses palais. Mais t'inquiète pas. La prochaine fois qu'elle osera faire ce genre de bêtises dans ses palais, crois-moi maman, je lui dirai que je suis également une princesse. Je la remettrai à sa place. T'inquiète maman, laisse-moi gérer ça. Mais Soma, comment oses-tu? Comment oses-tu insulter notre mère? L'as-tu perdue? Tu deviens folle? Est-ce que tu vas bien? Hein? Écoute, écoute-moi attentivement. Si tu reprends encore ces bêtises, c'est que je te ferai. Mmh. Tu vas les regretter. Je vais oublier que tu es notre grande sœur. Même toi? Kiro, tu es chanceuse que je suis de bonne humeur aujourd'hui.
Papa vient de sortir maintenant en laissant des instructions. Sinon, tu me connais très bien. Écoute-moi, sache que je n'ai plus de respect pour toi. Mmh? Je n'ai plus de respect pour toi. Si tu oses le reprendre encore la prochaine fois, si tu oses encore insulter maman, c'est que je te ferai, tu ne l'oublieras jamais dans ta vie. Je vais déchirer mes habits et sucer ce que je vais dire. Écoute comment tu vibres comme un poisson. Un petit poisson que tu es. Tu connais très bien comment est-ce que je vibre. Si je le fais, tu sortiras de cette chambre. Tu le sais, non? Tu le sais bien. Alors, va-t'en. Et sinon, qu'est-ce que tu feras? Que papa est sorti d'ici en laissant des instructions. Et je dois obéir à ces instructions. Dégage de ma chambre. Et si je reste ici? Dégage de ma chambre. Écoute. Dégage. Écoute-moi, ferme ta bouche, écoute-moi, je parle. Dégage de ma chambre. Si tu oses te comporter encore de la chambre, sorte, tu as mon dernier avertissement. Dégage de ma chambre. Maintenant. Maintenant, je dis. Maintenant, je dis. Si tu oses maintenant, je dis. Maintenant, je dis. Dégage de ma chambre. Dégage de ma chambre. Dégage. Cette fille me cherche. Quelle audacité. Oh papa, papa, tout ça c'est à cause de toi. Maîtrise-toi un peu, ma chérie. Calme-toi, s'il te plaît. Ok. Alors, tout le monde est maintenant contre moi. Vas-y doucement, mes Soma. Ne gâche pas ta beauté. Tu y es une princesse. Notre future reine. Oh. Maman, s'il te plaît, apaise-toi. Ne te laisse pas emporter par ces bêtises. S'il te plaît. Franchement, je ne sais plus comment me prendre encore dans cette situation. Trouve une place dans ton cœur pour la pardonner. Pardon, maman. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça venant de mes Soma? Comment est-ce qu'elle peut me faire ça? Comment est-ce qu'elle peut m'insulter en public? Devant les portiers? Ah. Devant les gardes? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Mère, s'il te plaît, calme-toi. Pardon, là. S'il te plaît. Calme-toi, t'occupe pas d'elle. Des fois, j'ai l'impression, on dirait qu'elle est possédée. Je ne la comprends pas. S'il te plaît, maman. Mais Soma. Mère, s'il te plaît, ne te laisse pas affecter par cette situation. Mon Dieu! Ouais, Yifeng, tu n'as pas encore fini de nettoyer la voiture tous ces temps, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Ah, s'il te plaît, je coupais les fleurs. Tu faisais quoi? Je coupais les fleurs. C'est ce que tu faisais? Ouais. C'est ça qui t'avait empêché de nettoyer ma voiture comme je te l'avais demandé? Désolé. Donc ces fleurs sont plus importantes que ma voiture, c'est ça? C'est pas ça, princesse, je vais bientôt finir. Je vois! Je le savais très bien. Je savais que tu étais... Hey! Idiote. Aïe. Imbécile. Écoute-moi bien. Apprête la voiture de mon père parce que c'est avec ça que je veux sortir aujourd'hui. Alors prends-moi la clé de contact. Fou. Donne-moi ma clé maintenant. N'importe quoi. Quelle bêtise. Ne dis rien. Désolé mon frère. Ne dis rien. Hein? Ne dis rien. Tu m'écoutes? Ça prendra fin un jour.
Non, mais cette princesse, ce n'est pas normal ce qu'elle fait. C'est méchant. Vraiment très méchant. Lâche-moi. Là quoi? Hey, tu veux aller où vas-tu? Hein? Qu'est-ce que tu veux elle faire? Une fois qu'elle t'est tuée. Calme-toi, mon frère. Dis-moi demande ce que je voulais faire. Je sais ce que tu veux faire. Tu veux aller battre la princesse. Vous me demandez ce que je voulais faire. Elle va juste te tuer. Bon, vas-y. Vas-y alors. Tu ferais mieux de revenir ici. Si tu veux, va battre la princesse alors. Hein? Ma princesse, tout le monde vous déteste. Oh, mais pourquoi est-ce qu'il me déteste, Chigod? Tout le monde vous déteste à cause de votre caractère. Je t'en prie. C'est quoi à propos de mon caractère? Votre caractère est très dur. Oh! Vous devez un peu atténuer. Oui. Quoi? Comment oses-tu? Es-tu folle? Comment oses-tu m'insulter? C'est parce que je me suis rabaissée à ton niveau en venant dans ce stupide salon. Voilà pourquoi tu as cette audacité d'insulter ma personnalité. Tu dois être malade. Tu dois être folle. Espèce d'une chose. N'importe quoi. Imbécile. N'importe quoi. Et toi, que fais-tu ici? Désolée, désolée madame, désolée. Ah! Si seulement elle pouvait au moins m'écouter. Mais je peux dire que c'est pas une des plus confortables pour n'importe qui ici à cause de la princesse Mesoma. N'est qu'à mon ami, ce qui est très grave, c'est que quand je travaille avec elle, j'ai toujours très peur. Même moi, mon cœur bat très vite. Même moi, je ne supporte plus haut. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'elle mange. Elle prend des drogues pour qu'elle agisse de la sorte ou quoi? Franchement, ne ris pas, c'est pas une blague. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête, arrête de dire ça, s'il te plaît. Tu sais quoi? Ce qui est encore dur, c'est... Elle a ses mauvais comportements. Tu comprends? Et son père ne s'inquiète même pas. Tu comprends? Il n'a pas peur et il ne lui dit rien. C'est vrai. Tu comprends? Parce qu'elle est... Sa fille est née. Et alors? Sérieusement. Et encore, la reine et la princesse Chihiro sont totalement différentes d'elle. Non. Oui, je sais bien que la princesse Chinaza est aussi colérique, mais pas comme la princesse Mesoma, hein? Mais je me demande quel homme aimerait épouser une femme comme elle. Même mon frère, je n'accepterai pas qu'il épouse une femme comme celle-là. Ma chère. J'espère que personne ne nous regarde. Hein. Personne. On se verra après. D'accord, bye. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez-vous-en! Méchante, reste là-bas. Disparaissez! Je parle, tu réponds. 14 jours de gêne forcé. Quitte-la. Vous aurez 14 jours de gêne forcé. Dans cette maison, on verra. Ifaï.
Ifaï, je t'ai apporté la nourriture. Princesse, oh. S'il te plaît, ma princesse, tu n'es pas supposée faire ça. Ce n'est pas ton devoir. C'est le devoir de Clément. Si on te voyait ici, tu me causerais des problèmes. T'as pas besoin de faire ça. Je sais. J'ai voulu le faire de moi-même. Écoute, Ifani, je ne saurais supporter te voir dans le trouble. Ok, je tiens beaucoup à toi. Peut-être que tu ne le sais pas. Ça va, vraiment, je l'apprécie. Ok. Paraît que tu ne veux plus repartir. Non, je ne pars pas, je reste ici. Je préfère rester ici, manger avec toi ou te regarder pendant que tu seras en train de manger. Non, ma princesse, ne fais pas ça. Ne le fais pas, s'il te plaît. Tes parents pourraient sortir. S'il te plaît, ne me cause pas de problème. Ok, écoute. Si vraiment tu te soucies de moi, comme tu l'as dit, je veux que tu t'en ailles. Ok, c'est pas que je te chasse, mais je veux que tu le fasses pour moi. Fais-le pour moi. Ok. Je m'en vais alors. Merci. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Ok, c'est ça le plan de cette fille. Sais-tu si elle a mis du poison ou non, Ifeini? Tu commences à manger juste comme ça. Gourmand. Ta. Ifeini. Ifani. Ifani. Ma princesse. Pourquoi tu t'es enfermée à la maison? Pas vraiment. Veux-tu que je fasse quelque chose pour toi? Non. Je viens me détendre un peu avec toi. Je veux que nous parlions de tout. Je m'ennuie comme pas possible. Ma princesse, c'est pas bon que tu sois ici. Tu vois, si ton père ou ta mère ou ta soeur nous voyaient ici, je pourrais être englouti. Et qui t'a dit qu'ils sont là? Ce n'est pas toi qui as ouvert le portail pour eux. Oh, tu as déjà oublié. Comment pourrais-je l'oublier? C'est vrai, c'est moi qui leur ai ouvert le portail ce matin. Ok, bien. Est-ce que nous pouvons prendre place maintenant et nous divertir? Ok, une minute. D'accord. Ma princesse, s'il te plaît, assieds-toi. Ok, merci. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends un peu. Tu essaies de vérifier si mes sœurs sont en train de venir. Ma princesse, tu dois faire beaucoup attention. Vraiment? Ouais. Ok. Alors, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien.
ma princesse. S'il te plaît, puis-je te poser une question? Je ne veux pas que tu sois offensée. Ah non, tu es libre de me demander quoi que ce soit. Ok, merci pour ça. Ok. Ta sœur Missoma, pourquoi est-elle si grossière? Oh, ça? Ma sœur Missoma devient autre chose. En fait, elle n'a d'égard à personne. La chaque fois qu'on essaie de parler avec elle, elle dit que le seul homme qui elle va respecter, c'est l'homme de sa vie. Tu sais, franchement, c'est grave. Mais écoute, ça ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'une personne doit se comporter. Tu sais, Missoma est comme une bombe. Peu importe là où elle va, elle explose. Elle est trop impulsive. Ce n'est pas du tout bon. Tu vois, comment s'attend-elle à ce qu'un homme l'épouse avec cette attitude grossière? Je ne sais pas, mais ce sera compliqué pour elle. Elle est tellement bizarre. En tout cas, je suis très désolé de te demander ça. Je voulais juste savoir. Je suis juste curieux. Bien, il n'y a pas de souci. C'est bon. Et je vais te demander quelque chose. Ok, vas-y. Parlons de l'homme qui voudra épouser ma sœur. Je vais te demander une chose. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Je suis cool. Tu es avec moi, d'accord? Tu es détendu? Es-tu sûr? Ok, bien. Que je pose ma question, hein? Comment est la femme de ton rêve? Tu attends que je te réponde? Non, je ne ferai pas ça. C'est personnel. C'est personnel? Ouais. Non, tu vas me répondre, Rao. Tu vas me répondre. C'est personnel, je ne peux pas te répondre. Hein? Tu es sérieux? Ouais. Arrête ça, s'il te plaît. J'ai entendu. Tu continues de le garder pour toi? Ça va. Oh mon Dieu, je ne sais plus quoi dire encore. Désolée, ma reine. Désolée. Allonge-toi. Oui, allonge-toi. Ok. Ekema, que veut dire cette bêtise? Désolée, madame. N'y a-t-il pas une fois que tu peux faire quelque chose comme on te l'a demandé? Hein? Désolée. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Désolée. Laisse-moi te dire que ceci soit la première et la dernière fois que tu me serves quoi que ce soit dans ce palais. M'as-tu entendu? Désolée, madame. Même si je te demande quelque chose, rassure-toi de le remettre à quelqu'un d'autre pour qu'il vienne me les donner. C'est quoi ce genre de bêtises? Les gens de mon village, ce sont eux qui sont en train de m'ensorceler. Ils m'ont demandé de leur envoyer le cola. J'ai refusé. Ils ne sont pas du tout contents du fait que je suis en train de travailler au palais. Est-ce que c'est les gens de ton village qui m'ont apporté cette boisson? Est-ce que ce sont eux qui l'ont renversée? Ma reine, hein? Ils ne sauraient pas le voir. Oh. Ils sont spirituels. Ils me suivent partout. Ton cerveau est vide. Oui, madame. Ton cerveau est vide. Oui, madame. Oh, Seigneur. Mais où est-ce que j'avais ramassé cette fille? Où? Oui, madame. Honnêtement, si c'était pas à cause de ta mère, merci, si c'était merci, pas à cause de cette vieille femme, merci. J'allais te virer. Merci, grâce à elle, je vais te laisser. Dégage de ma vue. Merci, oh. Les gens de mon village sont méchants, oh. Ils ne veulent pas me laisser travailler en paix. Ils me suivent. Ils me font trembler le pied. Va-t'en! Madame, pardon. Ma reine, s'il vous plaît, ne gaspillons pas les boissons ici, c'est trop cher. Laisse-moi les lécher. Je les prends à votre place. Ekema, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en! Oui, madame. C'est dur, oh. C'est dur. Où est-ce que j'avais ramassé cette idiote? J'ai dit dégage! Madame, et tu me fouettes avec cette chose! J'essaie de le sécher, non? Donne-moi ça! Prends ça et va-t'en! Oui, madame.
Seigneur. Ok, comme tu refuses de partir, je m'en vais. Non, non, non. Tu peux rester là. Je m'en vais. Non. Oui, madame. Je m'en vais. Oh mon Dieu, quelle merde! Oh, est-ce que cette femme est malade? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi avec toi? N'entends-tu pas des klaxons? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Es-tu malade? Hein, imbécile! As-tu un problème? Hein? Tu dois être folle, idiote, imbécile! Imagine un peu cette histoire! Imbécile! Insensé! Qu'est-ce que c'est ça? Imagine un peu cette bêtise! Oh mon Dieu! Femme stupide! Peux-tu avoir une voiture? Dégage sur le chemin! Merde! La merde! Mon bassin! Oh! Mon bassin! Je suis mort! Princesse! Pour m'avoir fait ceci, je t'ai maudit aujourd'hui. Tu vas continuer à gifler et insulter des grandes personnes. Tu ne seras jamais en paix jusqu'à la fin de ta vie. Eh oh, eh Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Mon bassin, mon bassin. Espèce d'une paresseuse, tu ne sais rien faire. Désolée. Fais attention prochainement. Ok. Vas-y doucement, hein. Viens. Ouvre grandement la bouche. Es-tu folle? Égaye-moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ma bouche peut contenir ceci? Ah, s'il te plaît, découpe la pomme, ok? Oui, démoncelle la pomme avant de me les donner. Si je les découpe, après je vous fais manger. Oui. Ok. Écoute. Tu as mangé ma pomme? J'ai découvert la pomme. J'ai découvert la pomme. À quoi t'attendais-tu? Tu es vraiment stupide. En fait, je t'ai demandé de morceler la pomme enfin de me permettre de bien manger. En fait, pourquoi tu me les fasses manger? C'est quoi? Mais tu l'as mangé. Je dis désolée, madame. Vous pouvez le reprendre. C'est ça. Qu'est-ce que je mets dans l'assiette? Tu l'as encore fait. N'est-ce pas ça, non? Tu qu'est-ce que tu me cherches? Oh, papa, que tu m'as tout demandé, ça, c'est de ta faute. Je suis pas vexée. S'il te plaît. Je ne fais que t'aider à découper la pomme. Prochainement, il faut bien parler le français. Certainement, c'est pas bien compris. Je suis pas vexée. Depuis quand oses tu me tourner les dos? Regarde-toi, tu es très grasse, très ronde. Tu manges beaucoup dans ces palais. Voilà pourquoi tu deviens comme un ballon. Oui, c'est la vérité. J'aurais souhaité avoir quelque chose pour te permettre de diminuer s'il un te peu. Plaît, tu as raison, aide-moi le faire. C'est bon. Je suis de la communauté des gros ventres. Regarde. Ah, tu es malade. Continue à me faire manger. Mais il n'y a plus grand chose dans l'assiette. Sois gentil, laisse-moi le finir pour toi. Fais-moi manger.
Ne le mets pas là-bas. Papa. Maintenant, tu veux que je le fasse? Non. Tu veux que je te fasse du mal? Coupe la pomme en morceaux. Ne le mange pas. Non. Allonge-toi vite au sol. Vite, allonge-toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je veux me charger de toi. Je veux me charger de toi. Je vais te montrer qu'on ne blague pas avec moi. On ne blague pas avec moi. Pas les foutre. Désolée, madame, je n'ai pas la force de me battre avec toi. Pardon. C'est Ongri Makara, l'oracle de mon village. Désolée, madame, je n'ai pas encore fait mon dernier testament. Ne tue pas la fierté de ma famille. Qu'est-ce que je peux faire de toi? Tu as mangé ma nourriture. Hey! Arrêtez-vous là! Êtes-vous aveugle? Ne m'avez-vous pas vu? Comment passez-vous sans pour autant donner les honneurs à votre princesse, votre future reine? Hein? J'espère vraiment que c'est pas à nous que tu t'adresses. Vous n'êtes pas de sourde, je suppose. Hein? Mais Soma, avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton prochain, il serait mieux d'enlever d'abord la paille qui est dans ton œil. Elle est ma sœur. Pas besoin d'utiliser des expressions idiomatiques. Sois claire pour qu'elle comprenne. Mais Soma, elle essaye de dire que tu es censé nous saluer en premier. Et tant que princesse, tu dois prêcher par l'exemple. Ah oui? Eh oh! Encore mieux, il a toujours été dit que le respect est réciproque. Qui n'est pas au courant de ton insolence? Hein? Vous savez quoi? Je suis là pour vous. Je vais vous gifler. Non, plus jamais dans ta vie. Le faire encore. Oh, je comprends que c'était une erreur que vous avez faite. Oh non, ma belle. Ce n'était pas du tout une erreur. Tu peux bien le remarquer sur nos visages. Aucune de nous n'a peur de toi comme toutes les filles du village tremblent devant toi. La prochaine fois que tu oses le faire, tu seras étourdie. Hey! Écoute bien ça. À chaque fois que tu nous verras, fouille. Continue ton chemin. Princesse de merde. Arrêter. Que fais-tu là? Allez, suis-le vite! Et toi, la prochaine fois que tu nous vois, fouille. Fouille! Attaque-le! Je ne peux pas les arrêter. Elles sont plus fortes que moi. Elles peuvent même battre les hommes. Tout le monde ici les connaît. Tu as de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, tu allais regretter toute ta vie. Toi, non, t'es fatigue pas. La prochaine fois, on y va. Ose encore nous faire arrêter. Insensé. Allons-nous-en, mon ami. Stupide princesse, mon œil. Es-tu un lâche? Non, ma princesse. Vous êtes tous des lâches! Espèce de lâche, toi! Tu dors là? Lâche! Tu es un lâche! Tu es un lâche! Un bon à rien! Tu es un lâche, je dis! Tu es un lâche! Une peuple, tu n'as pas de force! Tu es un lâche! Lâche! Et toi aussi! Imbécile! Insensé! Espèce de lâche! Et toi? Tu regardes
Tu ne fais rien. Tu ne sais rien faire. Hein? Et toi aussi, viens ici. Approche-toi vite. Approche-toi. Insensé, imbécile. Idiote, idiote. Insensé, vous êtes tous des idiots. Cette princesse, nous devons finir avec elle. Elle en fait de trop dans ce village. On en a marre d'elle. Attends un instant, attends. Donc, si on s'était laissé faire, si on n'avait pas réagi, elle allait ordonner à ses gardes de nous frapper? Cette fille est malade. Ah. Ojo, tu souffres. Tu souffres dans ce village. Donc, elle a pensé nous mettre en déroute de son chemin, juste comme les filles de ce village, qui tremblent devant elle comme des crétins, la mise aux mains d'hier. Donc si nous n'étions pas aussi habiles, ces gardes du corps allaient nous entraîner par terre juste comme ça. Ah! Il a de la chance, il avait essayé. Il allait rentrer du palais en rampant. C'est moi, Oudjou, qui l'ai dit. Ah! Moi, Oudjou. Julie, Jou. Julie, Jou. Ma belle, oublie ça. Ok. Mais c'est quand même drôle. On y va. On verra bien. Partons. Partons. Miss Oma. Oublie-la. Miss Oma. Allez, moi, Jou. Dans ce village. Je suis parfaitement au courant de tout. Y a-t-il un problème? Oh. Oui, je le sais. Je le sais. Je vais voir ce que je peux faire. Papa, je veux te parler. Dégagez. Ok, ok, je te rappellerai. Ouais. J'ai dit dégagez. Mais attends, je t'ai prévenu d'avoir toujours un bon comportement avec tout le monde. Quel est le problème? Papa, je suis très fâchée, j'ai un truc à te dire maintenant. Ok, à peine j'étais en train de me promener dans notre royaume comme d'habitude. Deux jeunes filles étaient en train de passer sans pour autant me saluer. Comment est-ce possible? Bon, comme d'habitude, je les ai stoppées pour leur faire la remarque. Tu sais, en retour, elles se sont mises à m'insulter. Papa, j'ai été choquée. Et j'ai demandé à l'un de garde de le discipliner. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il a tourné et il m'a dit, il ne peut pas et que ses filles sont de guerrières. Comment? Wow, je les connais. C'est vrai? Oui. Ok. Le père est l'un des hommes les plus puissants de ce royaume. Et personne ne l'a jamais défié. Ils sont comme ça dans leur famille. Si je décide de punir ces filles, leur père va réagir certainement. Il fera une équipe avec leur frère pour me combattre. Et sûrement, ils vont réussir. Papa, pour conclure, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as rien à faire à propos? Oui, ma chère fille. Tu vois cet homme et ses frères? Ils sont les hommes les plus puissants dans ce monde. Permets-moi de régner en paix. Oh, papa, papa, papa. Mais écoute-moi te dire ceci. Cet homme et ses frères sont derrière la popularité de notre royaume. Ils ont combattu nos ennemis il y a longtemps et récupéré toutes nos terres et artefacts. Sans faire du bruit. Si quelque chose ne va pas bien ici, c'est ta manière, ta façon de parler aux gens dehors. Et tu dois le comprendre. Maintenant, va dans ta chambre. Je suis fâchée, papa. Quoi? Je vais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as jamais parlé de ta relation amoureuse. N'as-tu pas un amant? Bien sûr que je vois quelqu'un. Eh ben, mon petit ami est à l'étranger. Ok. Mais il revient souvent au pays et il vit en ville. Eh ben, il travaille à l'océan, dans l'offshore. Ah bon? Mmh. Wow, c'est magnifique. Merci.
Alors, quand est-ce que tu vas l'inviter ici ou quand est-ce que tu vas le voir? Je n'irai pas le voir. Il est hors de question. C'est à lui de venir me voir. Et c'est pour bientôt. C'est ça? Ma sœur, dis-moi la vérité, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Laquelle? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Et si tu l'aimes vraiment, dis-moi pourquoi. J'aime mon homme. Et je l'aime parce qu'il est très, très beau. Il me traite bien. Il me respecte. Il prend très bien soin de moi. Il veille sur moi. Si je veux qu'il lave mes pieds, il le fait. Pouvons-nous, s'il te plaît, arrêter de parler de moi et parler plutôt de toi? Parle-moi à propos de toi. Ok. J'ai quelqu'un que j'aime tellement. Intéressant. Et je l'admire secrètement jusqu'ici. Mais il ne m'a encore rien dit, genre... je ne sais même pas s'il comprend que je l'aime. Vraiment? Pourquoi tu te manques de moi? J'admire quelqu'un secrètement. Tu n'as pas le courage d'aller le lui dire? Oui, la personne en question, je la vois tous les jours. Mais je ne sais pas... Tu sais quoi, Sérette? Oui. Arrête de mourir dans le silence. Ok. Si tu aimes un homme, va lui dire que tu l'aimes. C'est attends, pas drôle. Attends. Donc, je dois l'approcher et puis lui dire que... tu sais... Non, je ne saurais pas le faire. Non, c'est pas possible. Ça, tu veux mourir dans le silence? Je peux le faire. Tu peux le faire. Et s'il me traite de paix de valeur? Je ne sais pas... Genre... Écoute, si tu ne le fais pas tout de suite, tu recevras très bientôt son invitation et il sera déjà dans le bras d'une autre femme. Ah, que Dieu m'épargne. C'est ça. Si tu ne veux pas que cela puisse t'arriver, alors tu dois le faire tout de suite. Je dois approcher un homme et lui dire que je l'aime. Si tu ne peux pas le faire, alors je peux t'aider. C'est quoi son nom? Non, ne va pas là-bas. Je ne te le dirai pas. Dis-moi son nom. Je ne te le dirai pas. Non. Non, je ne vais pas en parler. Pardon. Ok. Non. Je commence à te suspecter. Grande sœur, tu sais quoi? Enfin, tu sais... Allez, dis-moi son nom. Non, arrête. Dis-moi. Non, ok. C'est moi qui ai soulevé ces sujets, d'accord? Permets-moi de mettre point à ces sujets. S'il te plaît, je ne vais pas en parler. Je peux t'aider. Je peux aller causer avec lui. Je ne saurais supporter de voir faire ça. Tu ne me crois pas? Ok, je sais que tu peux le faire, mais... c'est trop... Non, arrête. Ok, je ne le ferai pas. Alors, dis-moi juste son nom. Est-il beau? Est-il de teint clair ou soit élancé? Juste dis-moi. Ah non, je ne m'imagine pas en train de te le dire. Arrête, s'il te plaît. Non. Tu as honte, n'est-ce pas? Oui.
Et Kéma, pourquoi est-ce que tu me fais attendre? Désolée, ma. Je suis là, madame. Maintenant, écoute-moi attentivement. Oui, madame. J'ai un devoir pour toi. Pendant 3 jours, il n'y aura pas de nourriture pour les servantes, les gardes et cet imbécile de sentinelle. Suis-je claire? Oh, non. Désolée, oui. Bien. Désolée, madame, c'est pas vexé. Oh. Vous savez, on a toujours dit que la nourriture et les carburants du corps humain, s'ils ne mangent pas, comment ils seront travaillés? Peux-tu arrêter? Comment oses-tu m'interrompre? Es-tu malade? Veux-tu faire partie de cette équipe? Veux-tu faire partie de cette équipe, je demande? C'est bien pour toi. Laisse-moi passer. Oh, désolée. Oh. Non, waouh. Ah, ah, ça c'est quelle méchanceté. Elle est tellement méchante. Ça c'est quoi ça? Cette fille qui s'appelle elle-même Miss Oma. Miss Ojo. Je t'ai entendu. Tu vas faire partie de cette équipe. Pendant 3 jours, il n'y aura pas de nourriture pour toi et les autres travailleurs. Non, madame, je mourrai. Et si je te trouve en train de manger? Je veux te tenir avec mes 2 mains et ton sang sera mon partage. Pitié. Et après, je le boirai. Désobéis-moi. Comment je saurais vivre sans la nourriture? Non, comment? Comment je saurais m'élever? L'aimer serait de monter la vie qui de me priver la nourriture. Oh. C'est dans la nourriture que je tire ma joie. Oh. Mami. Aïe. Aïe. Hé, tu sais que je n'aime pas les bruits. Donc si tu veux parler, tu parles. Parce que si tu veux hurler, tu dois lâcher. Donc s'il te plaît, arrête ça. Oh! Je suis choquée du point de vue de mon estomac jusqu'au corps. Excuse-moi. Qui t'a appris ce français? Qui me l'a appris? Je l'ai apprise dans ma dernière classe, avant de finir. Tu te débrouilles. Miss Oma dit que je ne donne à personne la nourriture dans cette maison pendant 3 journées. Je n'ai pas compris. Hein? Mm-hmm. Ça veut dire qu'elle viendra ouvrir ce portail pour 3 jours dans ce palais. Quand je te parle de tout le monde qui ne mangeront pas, incluse moi. Moi aussi, oh. Et que m'a laissé à manger, comment je vais vivre? Elle veut me gâcher le plan. Elle veut briser mon alliance avec la nourriture. Est-ce qu'on t'a mis au monde avec la nourriture? Mm-hmm. Tais-toi, mon ami. Comment? Vivre sans manger. Elle veut me tuer. Ce qui ennuie le plus est que le père ne fait rien à ce sujet. C'est ce qui m'énerve le plus. Le pire ici, même la fille, surpasse le père. Je t'ai dit. S'il te plaît, va me donner à manger. La fille a dû faire beaucoup attention parce que je ne veux pas libérer ma colère sur elle. Je ne veux pas le faire. Hey, t'as vraiment, tu me fais gui. Tu fais saigner mon cerveau. Je t'ai dit vrai. Ça me bouge la tête. Tu me fais saigner le cerveau. Va me donner à manger, s'il te plaît. C'est chaque jour que tu me bombardes avec des gros mots solo. Ah, mon ami, t'inquiète. Je suis fier de toi. Tu as volé les dictionnaires. Les profs de grammaire. Manger, s'il te plaît. Économise ton énergie, il n'y a pas de nourriture. Oh. Garde tes gros mots pour toi. Ok. Est-ce que c'est moi que tu es en train de séduire ou quoi? Tout ça là, c'est quoi? Et tu as vu. Oh, mais c'est ça même mon intention. C'est quoi ça? La jambe. La jambe. Regarde ça bien. Non? Prends ton temps, admire. Quitte ici, non, quitte. Hey. Va-t'en d'ici avec ton esprit de séduction. Je suis là juste pour toi. Je veux te séduire. Viens à moi, oh chérie. Tu vas me donner à manger, mon non? Sang, Blue Man. Blue Mama. Je suis chaude.
Viens, approche, essaye, tousse-moi, tousse. Concentre-toi, viens. Arrête. Je vais te ramasser ici maintenant. On te les donne gratuitement, tu fais des histoires. Oh, vraiment, hein? Ma chérie, mes somatiques et personne ne mangera dans cette maison pendant 3 jours. Elle est folle. En effet, elle a vraiment un problème. Si je ne mange pas, je ne verrai rien dans cette maison. Écoute, je suis juste en train de rire parce que si je pense à ce qu'elle a dit là, je veux tout faire pour qu'on me chasse ici. Voilà pourquoi je suis calme. S'il te plaît, changeons de sujet. Laisse-moi aller continuer avec mon travail. On se voit après. Bye. Alors, quand est-ce que Raymond viendra nous voir? Maman? Bientôt. Je peux voir que quelqu'un est en train de rougir. Pourquoi tu n'ouvrais pas l'assiette? Désolée, ma princesse. Et pourquoi il n'y a pas de paume à l'intérieur? J'avais oublié, princesse. Tu ne pouvais pas aller en trouver? Mère! D'accord, ma princesse. Pourquoi mère, tu cries mon nom comme ça? Mère, peux-tu imaginer que Missoma dit à la cuisinière de priver tous les servants du palais de la nourriture pendant 3 jours? Qui t'a dit ça? L'un des servants. Comment a-t-elle pu jusqu'à ces niveaux? Comment peut-on priver de la nourriture aux gens qui travaillent pour nous tous les jours? Est-ce que c'est normal ça vraiment, maman? Dieu merci. Je n'ai pas qu'elle comme enfant. Sinon, j'allais mourir depuis. Je vous ai fait appel aujourd'hui pour vous parler d'une chose que j'ai remarquée et qui s'est produite dans ces palais. Mais avant de continuer, j'aimerais vous poser tous une question. Qui vous a engagé? Notre reine. Êtes-vous sûr de votre réponse? Oui, votre majesté. Parfait. J'ai appris que vous avez été privé de vos droits, votre nourriture, et cela pendant 3 jours. Et Kema, pourquoi ne leur as-tu pas servi? Merci pour cette question brillante, ma reine. Pourquoi la grande madame, Missoma, a donné des ordres? Missoma a dit que je ne donne de la nourriture à personne. Je lui ai dit que ça sera de la gêne forcée. Oh. C'est ce qui me dure de cœur. Oh. Je n'ai plus de joie. Vois comment je baille. Ma reine, je vais tomber. Pourquoi tu n'as pas pris la peine de venir me voir ou me le dire? Ne dites pas que ça ne m'inquiète pas. Ça m'inquiète. Si j'étais venue vous faire rapport, j'allais finir par te renvoyer. D'où je venais, vous voyez. 3 journées de faim sec, c'est ce qui me peine le plus. Pourquoi? Veux-tu la fermer? Je dois mettre fin à cet acte stupide. Si dans le futur de tels actes se produisent et que personne parmi vous ne vient me les dire, vous tous, vous goûterez à ma colère. Est-ce que c'est clair? Oui, ma reine. Oui, ma reine. Maintenant, partez, rentrez dans vos postes de travail. Tout de suite, rentrez dans vos postes. Par où je vais passer? Quelle bêtise! Mes sommes. Missoma. Mon roi, tu ne vas pas y croire. Sais-tu que Missoma avait donné l'ordre à Ikema de ne pas donner la nourriture à tous les travailleurs du palais et cela pendant 3 jours? Quoi? Pourquoi ferait-elle ça?
Comment je le saurais? Peut-être qu'il serait mieux que tu ailles lui parler. Parce qu'elle refuse de causer avec moi. Ah. Mais Zoma. Oh. Mais Zoma. J'aimerais avoir un fils. T'inquiète pas. Dieu merci, je l'ai découvert à temps. Et j'ai dû causer avec tous les travailleurs. Sinon, qui sait ce qui allait se produire? Peut-être qu'un jour on allait sortir et à notre retour, on ne trouve personne. Mes hommes. Mes hommes. Les gens sont vraiment très drôles dans la vie. Itchi Amadi. Quand je dis ces choses, les gens pensent que je suis stupide ou cinglé. Hein? C'est pourtant ce que je sais. C'est pourtant ce que je sais. Itchi Amadi. As-tu vu le Igwe pour lui parler du problème qu'on a eu récemment avec le qui sèche de l'autre côté? Attends. Oh, moqué, non, mon. Tu essaies de te moquer de moi ou bien tu veux juste faire une blague? Comment? Attends. Après cette insulte de la part de sa fille, non élevée et non instruite. Cette mal éduquée de fille. Tu me demandes de retourner au palais pour faire quoi? Non, pour faire quoi, en fait? C'est toi qui porteras le message à Igwe. Ikea m'a dit, arrête ce que tu fais là. Ah. Oh, je comprends. Donc tu ne veux pas être insulté, mais plutôt que moi je sois insulté à la place. D'accord. C'est ce que tu veux, hein? Mais le truc, c'est que je ne compte plus retourner là-bas. Hein? Exact. D'accord. Je ne suis pas prêt de retourner là-bas parce que je n'ai plus besoin d'être insulté à nouveau. Ah. Exact. Donc, tu as vu quelqu'un qui est prêt à nager dans des insultes. Mais cette fille, elle a vraiment dépassé les bornes. Hein? Cette fille, ses comportements deviennent incontrôlables. De telle emprise que Igwe lui-même n'est plus au contrôle. Igwe ne peut plus la contrôler. C'est ce que nous voyons. C'est ce pourquoi elle ne s'est toujours pas mariée. Aucun homme ne pourrait épouser ce genre d'idiote. Je pensais que tu voulais la demander au mariage. Moi? Hein? Itchi Amadi, tu commences à exagérer. Hein? Ok. Tu l'as recommandé à ton fils pour le mariage. Que Dieu me parle de ça. Hein? Si mon fils voulait épouser cette fille, je la permettrais de venir juste pour entrer dans la royauté. Ok. Itchi Amadi, pardon. C'est comme ça que cela est. Cette fille est impossible à épouser. Elle est inconsciente. En fait, elle est tout ce qui est impossible. Tout ce qui est infaisable, c'est impossible, elle. Impossible, c'est ce qu'elle est. C'est seule la princesse Inkiru qui puisse faire ça. Tu m'as eu. Comment tu vas? Je vais bien. Que fais-tu ici? Bien, j'ai... Tiens, tu peux voir ça. Tu m'as acheté ça? Bien, je t'ai apporté des habits. Oh, ma princesse, tu n'aurais pas dû aller si loin jusqu'à acheter des habits pour un simple portier comme moi, un commun des mortels. Pourquoi tu te qualifies d'un commun des mortels? Tu es spécial pour moi, ok? Ne dis pas ça. Le fait que nous soyons de la royauté ne nous différencie pas de vous. Nous sommes humains, d'accord? C'est pourquoi nous vivons tous ensemble. Oui. Oh,
Merci beaucoup, je les apprécie. Merci, ils sont jolis. C'est vrai? Waouh. Tu l'apprécies? Waouh, et ils sont jolis. D'accord, alors. Je veux que tu le mettes sur toi. Pour que je vois comment ça va t'aller. Non, non, je ne veux pas faire ça. Pas maintenant et pas ici. Je le ferai, mais pas maintenant. Ok? Je suis une. Et pourquoi pas intimide. Ici? C'est vrai? Ouais. Ok. C'est bien, je te laisse faire. Ça va. Je retourne à mes fleurs. Ok. Ouais. Merci. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Servante. Ma princesse. Apporte-moi du jus. D'accord, ma princesse. Et deux verres. D'accord, ma princesse. Fais vite. Alors, Edouard. Chérie. Oh! C'est ici que tu es. Hein? Chinaza. Chinaza. Bonjour, je suis à la recherche de ma perle royale rouge. As-tu vu ça? Mais seulement, as-tu perdu tes manières? N'est-ce pas que c'est toi qu'on salue? Tu dois être stupide pour me dire cela. Je demande encore. Je suis à la recherche de ma perle royale rouge. Je peux la voir? Mon amour, donne-lui. Ah, bébé, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Fais-le pour moi. Où tu veux que je m'en aille? Est-elle aveugle? Je n'ai porté qu'un seul collier de perles rouges et elle est là en train de me poser une question. Tu n'es pas si ordonnée pour savoir là où tu avais gardé ton collier de perles. Va chercher là où tu l'avais gardé. Pose-moi encore des questions et tu verras si je te répondrai. Je ne suis pas surprise. Lorsque ton sale bon à rien est juste à t'écouter, je te comprends bien. Pourquoi vas-tu répondre? Je te connais bien. Insensé, imbécile que tu es. Mais comment oses-tu? Tu m'as très bien compris. Comment oses-tu m'insulter? Comment oses-tu... Idiote. Oh, remercie Dieu parce que ça ne m'a pas eu. Chinaza, j'allais te faire du mal maintenant même, je te dis. Ah. Parle-moi encore et tu verras. Tu vas voir après. Non, chérie, non, calme-toi. Insensé. Idiote. Change. Sois comme moi. Trouve-toi un fiancé prince comme moi. Et pas celui-là. Il n'est qu'un bon à rien. Calme-toi, ok? Calme-toi. Hey. Bébé, je suis désolée à la manière dont ma soeur t'a traitée. Désolée. Tu aurais dû me laisser m'occuper d'elle. Non, je ne suis pas venue ici pour elle. Je suis venue pour toi. Je ne savais pas qu'elle était aussi impolie. Très impolie. Oh. Bébé, s'il te plaît, ne t'énerve pas, ok? Non, ça va. Servante! Elle devait déjà être là. Oui, je m'en vais déjà. Oui. Non, chérie, ne dis pas ça. Donc, tu veux t'en aller juste à cause de ma sœur? Non, non, pas vraiment. Au fait, je dois faire un truc rapidement. J'ai pas envie que tu partes maintenant. Non, 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 tu n'iras pas. Bon, laisse-moi, je vais aller dire bonjour à maman. Je ne suis pas d'accord avec toi. Reste. Oui, papa. Papa, je voulais te demander... Quand est-ce que mon futur mari viendra? Ça prend beaucoup de temps. Oh, ouais. Selon mon cher ami, Igwe Uchemba, il a dit que son fils est à l'université. Quand il finit, il viendra te chercher. Oh, papa, je suis impatiente. Je veux dire que tout le monde sera content de moi et ils vont s'agenouiller devant moi. Oh, c'est comme ça que tu le veux. Oui. Ouais, bien de le dire. Mais alors, ma princesse, je pense que peut-être qu'il pensera de la même manière que toi. Penses-tu que ton mari sera confortable avec ton caractère quand il viendra enfin pour te chercher? Ah, papa, de quoi parles-tu? Je veux dire, es-tu en train de dire que j'ai un mauvais caractère? Tu t'attends à ce que je dise non? Bien sûr, oui. Tu as un caractère
repoussant. Et je souhaite que tu changes finalement avant de rencontrer ton mari. Papa, là tu ne réfléchis pas bien. Je suis supposée respecter mon futur mari et aussi toi. Ah non. Tu n'as pas de respect pour lui. Le ciel sait que tu n'as pas de respect pour lui. Peut-être, juste peut-être, tu respecteras ton mari. Mais cela fait également l'objet d'un doute. Papa, ce n'est pas juste. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Oh mince, ça me nerve ça. Suis-je censée de vous respecter ou c'est à vous de me respecter, imbécile? Oh, n'importe quoi. Ma fille. Oui, papa. Il y a un problème qui se passe dans ma tête. Et ça te concerne. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu te déranges beaucoup. Je suis très impatient de voir un jour l'homme qui voudra t'épouser, mais aucun geste de ta part. Papa. Ma fille. Si seulement le Dieu le veut, je me marierai au moment opportun. Ok. Je ne peux pas forcer un homme à m'épouser. Je me disais peut-être que tu ne te comportes pas bien avec les gens là-bas dehors. Car, tu sais, ma fille, une fois que les hommes remarquent que tu as un sale caractère, ils vont rapidement t'éviter. Papa. Oui, ma fille. Je suis ta fille. Nous vivons ensemble. En regardant les choses, est-ce que j'ai un comportement pas bien? Dis-moi un peu. Je me le demande aussi, mais je sais que ce n'est pas le cas. Et je te demanderai d'apprendre à tout le monde tes bonnes manières. Comme ça, notre famille sera toujours respectée. Papa, je ne te laisserai pas tomber. Je le crois. Toi et ma défunte mère, vous m'avez très bien élevée. Et je ne peux pas vous déshonorer, papa. Tu as raison, ma fille. Et ma prochaine demande sera celle-ci. Présente-moi un homme qui t'aime et que tu aimes aussi. Qu'il soit riche ou qu'il ne le soit pas, je m'en fous. Je vais vous bénir. Merci, papa. De rien, ma fille. Bien, j'ai un fiancé. Il viendra dans peu de temps. Ah, maintenant tu me l'as dit. Je le savais. Est-ce que tu me connais? Ouais, je vous connais. Vous êtes le fiancé de la princesse Chinaza. Et pourquoi ne me permets-tu pas d'entrer alors? Sachant pourtant que je viens d'un endroit très lointain. Monsieur, je suis désolé, j'agis en fonction des ordres. Attends une minute. Est-ce que Chinaza t'a instruit de faire ceci? Non, c'est la princesse Mesoma qui a donné l'ordre. Elle m'a dit de ne vous jamais laisser entrer ici. Si la princesse Mesoma était là, ce ne se serait pas passé. Je n'ai pas cessé de l'appeler. Mais son numéro n'est pas du tout disponible. Où est-elle partie? Je ne sais pas là où elle est allée. Et si je vous laissais entrer pour attendre votre femme, la princesse Mesoma pourrait m'insulter ou me faire n'importe quoi. Quoi? Avec ta taille ainsi que ton âge, cette petite fille t'insulte? Monsieur, à l'heure où même nous parlons, elle pourrait sortir et nous voir parler. Et ce serait un autre problème. Tout ça est vraiment incroyable. Quoi qu'il en soit, je parlerai à ma chérie de tout ceci. Monsieur, ça va? Je dois entrer, hein? Pas de problème. D'accord, bye.
Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu pleures? Ça va? Hey, qu'est-ce qui te fait pleurer? Mes salutations, ma princesse. Oui, bonjour. Depuis que j'avais perdu mon père, la vie est devenue difficile pour nous. Ah. Ça fait 2 jours maintenant que ma mère n'a plus de médicaments. Ta mère est malade. Je ne sais quoi faire. Ah. Je n'ai pas assez d'argent avec moi ici, d'accord? Tu vas entrer avec moi jusqu'au palais. Je vais te remettre un peu d'argent pour que tu prennes soin de ta mère. D'accord? Ça va? Est-ce que tu vas bien? Tu peux entrer avec elle. Ma princesse. Non, okay. Va avec lui dedans. Suis-le. Ifani, viens ici. Oh, dépêche-toi! Le roi t'appelle! Tu marches à pas de sénateur. Devant moi? Imagine, papa. Ifani, donc, tu n'as pas peur de moi. Tu n'as pas peur de laisser mon portail grandement ouvert. Désolé. Et tu causes tranquillement avec ma fille dans le palais royal. Ifani, pour qui te prends-tu? Bon après-midi, père. As-tu dit bonjour? Où es-tu allé? Et qui est cette fille? Père, j'étais allé me balader. N'importe quoi! Et tu as le courage de sortir avec ces bornes à rien? Cette sentinelle qui est censée rester à la porte! Bien, les autres servants étaient occupés, alors je n'avais plus d'autre choix. C'est à mon père que je m'adresse et non à toi. Peux-tu la fermer, petit poisson imbécile? Et toi aussi, bornes à rien? Peux-tu arrêter? Alors, je demande, qui est cette fille? Père, je l'ai trouvée devant le portail à mon retour en train de pleurer. Elle dit que sa mère est malade et elle n'a pas d'argent pour prendre soin d'elle. C'est pourquoi je lui ai demandé d'entrer pour voir dans quelle mesure on peut l'aider. Donc, tu l'as ramenée ici, afin que je la nourrisse et sa mère malade. Père, je peux le faire moi-même. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je lui ai dit d'entrer ici puisque là dehors, je n'avais pas assez d'argent sur moi. Kirou, donc, tu veux dire que tu as l'intention de transformer cette maison à une association caritative? Tais-toi! J'ai dit tais-toi! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous? Hein? Vous devriez avoir honte de vous! Kirou, je suis très fière de toi, ma fille. Tu as fait une très bonne action. C'est comme ça que les gens de la royauté se comportent. Les servantes... Servante! Oui, ma princesse. Prends pour moi le sac à main que j'ai laissé dans le véhicule. La femme, je ne t'ai pas adressé la parole! Mais Soma! Maman! Ferme ta bouche! S'il te plaît, puis-je... Vite! Va-t'en! Dégage d'ici! C'est quel genre de bêtise, hein? S'il te plaît, recule là-bas. Allez, approche. Tiens. Utilise ça pour le soin de ta mère. Merci beaucoup, ma princesse. Que le Dieu de notre Père vous donne un très bon mari à cause de votre bon cœur. Si tu manques des mots pour donner des remerciements, tu n'as qu'à te coucher, ramper et rentrer chez toi. Vite, sors d'ici. Je ne t'ai pas parlé. Allez, la ferme. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Écoute-moi, allô. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas de venir me chercher, d'accord? Ok, bye. Mais somme, peux-tu te calmer? Tu peux partir. Dépêche-toi, va-t'en!
Vous allez beaucoup apprécier. J'aime ça. Oui, je vais aller l'écouter à la maison. J'espère que ça sera bon. Oui. La princesse Mesoma est venue faire les achats. Alors tout le monde doit dégager, excepté le cacha. Nos produits sont très originaux. Excusez-moi, êtes-vous sourde? N'hésitez pas à les essayer. Qui est ici? Il n'y a personne qui peut s'occuper de moi? Oui, même ça aussi. Oh, d'accord, j'aime ça, c'est bon. Dehors, 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 vite! Oh. J'ai des montres. Oh. Donc, parce que... tu te crois être princesse d'un petit royaume et tu penses que tu peux faire les achats pendant que je le fais? Hein? Je doute fort que tu sois une princesse. Parce que tu n'as pas en toi les vertus d'une princesse. Parce que celle que je vois, c'est une mal à la tête, arrogante, qui est devant moi. Non, une princesse. Corrige ta façon de me parler avant que je ne te mette à la porte par force. Écoute-moi bien, je paye tout ce qui est dans ce supermarché maintenant même. Mes salutations, ma princesse. Tous les produits de ce supermarché pris en charge par la princesse Kamso. Alors, avec beaucoup de respect, je vous demande de partir puisque tous les articles qu'il y a ici lui reviennent. Excuse-moi! Si cela ne vous dérange pas, bonne journée. Qu'est-ce que tu continues à faire ici? Cette place m'appartient maintenant. Va-t'en avant que je ne puisse crier que tu es venu me voler. Mon nom est la princesse Mesoma. Je veux m'occuper de toi. On se verra. Je te mets en défi. Je te mets en défi pour que tu achètes tout ce supermarché au comptage de 3. 1 2 3. Tu me fais vraiment rire. Je ne peux pas suivre une personne comme toi. Tu n'as pas de sens et je ne suis pas là pour toi. Oh, laisse tomber. Princesse. Oh, princesse, mon œil. Une personne arrogante, impolie. Oh. S'il te plaît, oublie-la. Bon, voilà, revenons à notre chat. Je disais que... Ma fille, relate-moi un peu comment tu as fait tes achats. Papa. Tu peux imaginer une princesse de Amobia. Oui, je vois. Elle s'appelle princesse Mesoma. Ok. Elle a commencé à crier qu'elle n'a pas le même niveau que moi. Qu'elle pouvait me mettre hors de cette boutique. Certainement, ça peut être l'arrogante princesse du royaume d'Amobia. Dont m'a parlé ton frère et d'ailleurs il a confirmé qu'elle avait un sale caractère. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Papa, tu me connais. Je n'avais pas beaucoup parlé. J'avais parlé à la vendeuse. Je lui avais dit que je vais acheter tout ce qui s'est trouvé dans la boutique et le bâtiment y compris. Quelques minutes après, le chef de mes gardes avait annoncé à tout le monde que le supermarché m'appartenait maintenant et que tout le monde devait sortir du supermarché excepté moi, mes servantes et les gardes. C'est une très belle histoire.
Mais tu ne devrais pas agir de cette manière. Papa, je devais apprendre à cette fille des bonnes manières. Je sais qu'elle ne va pas bien à cause de ce que tu lui as fait. Mais alors, d'accord, ce n'est pas un problème. Ok. Cette fille, elle est très rude. Très stupide. Oh! Et même malade. Princesse, il n'est pas nécessaire de rester assise trop longtemps pour savoir que quelque chose te turlupine. Alors, parle-moi, qu'est-ce que c'est? Papa, tu ne peux pas imaginer l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui à la boutique. J'ai une fille qui se considère comme princesse. Tu es sérieuse? Oui. Quelle princesse? Papa, elle a captivé la boutique après avoir tout acheté. Et elle a eu le coulot de me mettre hors de la boutique. Attends une minute. Est-ce qu'un quelconque défi a été lancé? Parce qu'elle ne peut pas commencer à se comporter soudainement comme ça sans raison. Papa, je lui avais juste dit que le fait d'être royale ne la met pas sur la même page que moi. Ça, c'est un défi. Tu l'as défiée. Elle doit être une fille riche pour avoir fait ça. Papa, tu ne vas pas croire. Elle m'avait défiée et je n'avais pas pu le faire non plus, même du fait qu'elle n'a pas mon niveau. Écoute, c'est pour te dire que ta fierté te faire croire malheureusement que tu es au-dessus de tout le monde, mais à vrai dire, ce n'est pas le cas. Tu sais, je te dis toujours ceci. Peu importe ce que tu penses être, quelqu'un, quelque part, est déjà passé par là. Papa, nous sommes une famille et tu es supposé prendre ma part. Tu ne peux pas me dire cela. Ce n'est pas vrai. C'est vrai ce que tu racontes? Ah, la plus favorite a été humiliée. Kiro. Père, soyez reconnaissant. Elle a failli être décapitée. Comment ça? Qu'a Dieu ne plus. Dégage. S'il te plaît, donne-nous du temps. Nous sommes au milieu d'une discussion avant que tu n'interviennes. Oui, père. Mais s'il te plaît, arrête de la gâter avant qu'elle ne tue quelqu'un un jour. Oh mon Dieu. Comme je le disais, la vie, c'est de savoir comment se comporter à l'égard de son entourage afin de vivre longtemps. Hé! As-tu vu l'humiliation qu'on a fait à notre majesté la princesse à la boutique? Ma chère, j'étais moi-même là et je l'avais vue de mes propres des yeux. Et j'avais beaucoup aimé, oh. Je souhaite que ça soit toujours ainsi pour sa vie. Hé! Mais si tu me demandes, c'est bien fait aussi pour elle. Ça m'avait fait du bien, mon cœur tremble. Elle saura maintenant que le pouvoir dépasse le pouvoir. Mais sérieusement, dis-moi, d'où provient cette princesse très riche? Hein? Franchement, elle est très très riche. Oui, oh, j'aurais aimé travailler pour une princesse. Vraiment? Riche, très belle comme elle. Hey, vraiment, travailler pour ta propre vie, toi, chérie.